Et donc Crovax give away. Et tu l'as sinon en épinglé dans le chat. Les yeux, ça va en vrai, je les ai pas trop. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Faut vraiment que ça soit genre des énormes vagues, les yeux. Ça dépend vraiment des gens, tu vois. Moi, c'est vraiment le pif. J'ai pas encore mangé, Xéla, pour le coup. Bonjour. J'étais prendre ma douche, c'était ça ma pause. Une douche qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que, bah, qui dit ce bâton ? Enfin, j'ai quand même plus de journée que je suis en live, tu vois. Donc, me laver les dents, prendre une douche. Ça m'a soulagé piqûre de moustique, ça a soulagé un peu les allergies. Bon, là, c'est reparti, pas de chance. Mais ça fait du bien. Salut, Unity. Et je sais pas si t'as vu, Lucas, t'as aussi débloqué les donjons. Ah. Après, je te dis ça, mais en fait, ma bouffe, elle va être prête. Ouais, je vais pas lancer de problème. Je vais continuer. Ok, ah, c'est parti. Here we go. Tu vas bientôt me dépasser en level. Pourtant, j'y vais plutôt tranquille, je trouve. Moi j'ai qu'une seule quête en barbare, je crois pas que j'en ai une autre en fait. Hein. D'accord, ah non j'ai rien vu. Je sais pas si j'ai une suite à ma quête de barbare. Enfin, j'ai bloqué le seul truc que j'allais bloquer donc bon, on va voir. Après ça dépend si tu fais que la principale ou pas. Non, je fais un peu de tout. Je fais majoritairement la principale, mais je fais les quêtes secondaires si je les vois, je fais les donjons de temps à autre avec. Avec les copains, donc voilà. Le but du jeu, c'est d'être 50 à la aux alentours des 50 à la fin de l'acte 6, quoi. Enfin, à la fin de la campagne, quoi. J'essaie de synchroniser tout le bazar. Hein. Plus ou moins, hein, je le fais un peu à la... Je le fais un peu à la... C'est quoi le terme? À l'instinct du cul, hein. J'aurais peut-être pas dû claquer mon ulti sur un petit pack de merde comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours rigolo d'éclater les mêmes. Ah tiens, nice. Putain, les petits points de compétences bonus via les trucs de région, ça qui font plaisir. Hein. Ils sont plutôt motivants pour le coup à cleaner. Ça fait un peu Guild Wars 2, quoi. C'est bien, ça. Ou tu t'explores, t'es récompensé. Tu farmes, t'es récompensé. Tu joues, t'es récompensé. C'est ça. Salut Solak. Ah bah voilà, là on cause. Rip la légendaire, c'est pas grave, on va l'aggraver. Ou la death. Oh bah ça aussi on cause. Bon ça j'ai... Il est déjà dépassé ce truc. Ah délire. Et en vrai, t'avais raison, Pierre. On aurait pu mettre 1 million au final. C'est vrai. Là-bas, droit devant. Est-ce que ça pourrait être ça? Deux sabres, comme Oyun l'avait dit. Ça c'est quoi ça? Oh là, ah non, ah c'est ça, Kaamelott, non, non. Sef. Donc là, je crois que je suis à la dernière quête de l'acte 3, si je dis pas de bêtises. On avance, survivor, on avance. Ça progresse. Attendez, vous entendez ça? Des voix. Pourquoi on reste ici? Besoin de plus de proies, de plus de viande. Et vous l'aurez. Dès qu'Elias aura terminé son œuvre. Quel travail. Bientôt lui, on va le fight, lui, hein. 100%. Les graines que nous avons plantées porteront leurs fruits. Kunran renaîtra, et nous... Oh. Quel travail. Elias, il est sur le point d'invoquer Andariel dans ce monde. Son
pouvoir nous élèvera vers de nouveaux sommets. Et bien sûr, vous aurez plus de... Là, elle sait que sa vie, elle est en danger, là. Je veux voir ça. Bien entendu, Seigneur Brawl. Vous serez l'invité d'honneur. Stylé. Le petit côté Orient donne vraiment un petit feeling à Acte 2 de Diablo 3, mais en bien, quoi. Demoiselle d'angoisse. Tant mieux. C'est la démon inférieure qu'il veut invoquer. Que les cieux nous aident. Non mais NP, bro, t'inquiète, on va la défoncer. Tranquille. Ah mais j'ai un point de talent. Ça c'est bon. C'est vrai que les passifs, ils font tellement du bien. Dégâts crit sup. Qu'est-ce que je pourrais prendre de beau? Combat de faux hommes, proximité. Ouais, c'est pas mal en vrai. Hein. La chaîne de cause, j'ai la direct avec une compétence maîtrise d'armes. Ça c'est pas mal l'exec ça. En vrai, on va commencer ça. Ah, pour le coup, j'ai pas trouvé ouf les skins du barbare dans la boutique. Pourtant, je suis un sacré pigeon, hein, mais ça m'a pas donné envie plus que ça pour l'instant. Pourtant, je me compte vraiment comme un gros pigeon. Hein. Enfin, ils sont pas moches, hein, c'est juste qu'ils bon, ils me donnent pas envie de faire le passage à l'acte, on va dire. Ouais, j'ai vu, ça m'a donné une petite, un petit côté Hercule un peu. Non, non, ça me parle pas plus que ça. C'est sympa, hein, attention. C'est pas déplaisant. T'as déjà le truc, t'as le nouveau truc de renom avec le point de compétence ? Ouais, j'ai les trois premiers trucs. Ah, pas mal. Oui, oui, oui. C'est forcément rétroactif. Vous êtes toujours sur Acte 2 tous les deux, c'est ça? Oh les casus. Ouais. Toujours 38. Salut les illules. Et oui, pour l'instant, plus que 5 heures pour ce bâton. Peut-être 5 heures, peut-être plus. Pas point en tout cas, ça c'est sûr. Moi j'ai pris une de Rogue, ça m'étonne pas de toi. Ah d'accord. Ok, je m'y attendais pas. Il la sort un peu du cul, mais ok. On en parle des HP du bordel là. D'accord. Bon, je suis un peu fatigué, hein, mais quand même. Eh bien, c'est une mort expéditive. T'as été, comme dirait l'autre, bref et intense, hein. Waouh. Mais c'est quoi cette tatane, putain? Ah ok, je viens de voir qu'il y a les oeufs par terre. Bon, je suis rentré fatigué. Oh putain. Ah, j'avais pas du tout vu qu'il y avait les oeufs par terre. Putain, je me fais souiller par contre, hein. Ah, mais je reste dedans aussi, je suis un connard, moi. Elle est tombée, non, ce qu'elle est tombée. Bon, oh, putain, pas s'en plaindre. Merci pour les popos, Micheline. Ok. Après, elle a pas tant de points existants, ouais, je suis mal. Parfait.
Merci pour le follow, Tyrell. Bienvenue à toi. Je crois que t'aimes bien Diablo, toi. Bienvenue sur la chaîne. Ok, on a le temps d'esquiver en fait. Faut être un peu rapide. Oh, elle est encore retombée. Bah, elle glisse beaucoup là, madame. Ça va, en vrai, ça le fait. En vrai, ça le fait. J'ai juste un peu. Je suis juste un peu lent là à la réaction, mais en vrai, ça le fait. Ouais, elle a un très mauvais équilibre. On dirait Nat. J'ai glissé, chef. Ouais. Je regarde. What? Pour quoi? Non, moi j'ai fait what parce qu'elle m'a one shot. Putain, elle m'a one shot. Pute. Ah, j'ai vu, je connais le trailer. J'ai déjà vu le trailer. C'est spécial. Putain, elle m'a one shot. Elle était ultra bas. Je sais même pas ce qu'elle m'a mis. Hein, c'est un délire. Hein. Fait super mal. Hein. Mais il y a des AO qui partent, c'est un délire. Hein. C'est le vrai Stadio. Derrière ce qu'elle me met. Hein. Putain. Casse les bonbons. Putain. Non, c'est bon. Pute. Non. Non, putain, c'est quoi cette merde? Ah, c'est pas possible! Super costaud, hein? Vache! Donc, bonjour Bastasio. Creep. Tac, merci le chat. Ok. Super costaud de Michelin. Hein. M'a fait suer. Hein. Oh. Elle m'aura bien fait suer. Hein.
Et c'est pas le boss de fin d'acte, on sait qui c'est le boss de fin d'acte, ça m'étonne d'ailleurs. Et merci Corridor, effectivement, premier palier atteint hier soir, ce qui fait que le premier PC sera à gagner, enfin le tirage au sort sera à gagner. Merde. Ce samedi à 20h, excuse-moi. Demain à 20h. Ah, nul. Bon, moins nul. Demain à 20h pour le tirage au sort, vous êtes déjà plus de 250 participants. La prophétie serait. C'est pas mal. J'ai eu raison d'agir. Lorsque les démons primordiaux arrivent. Proie facile. Nous serons prêts. Notre renaissance commence ici. Ah ouais. De ouf. Cette ville de l'angoisse. Et à notre tour, nous nous nourrissons d'elle. Nous nous servirons du pouvoir d'Andariel contre les seigneurs des enfers. Si d'autres doivent mourir pour que cela se produise, qu'il en soit ainsi, je ne vous décevrai pas. Mais. Toutes les VF, hein, globalement, sont quand même très bien. C'est. Ils ont fait un excellent travail sur le doublage. En VO, je le trouvais dingue. Et en VF, je trouve peut-être un chouïa là en dessous pour chipoter, mais globalement, ça reste excellent, quoi. Les grimoires de Diablo, Baal et Mephisto. Que cherchais-tu, Elias ? Ah, Diablo. Merci pour le follow, Wolfiu. Bienvenue à toi. Coucou, et du coup, comment on participe ? Salut Tyrell, pour le giveaway des PC, tout simplement, regarde la petite vidéo qui est épinglée dans le chat. Elle explique tout. Bon, t'as bien raison, Corrado. Voilà, c'est épinglé dans le chat, c'est en dessous de moi, je peux pas vous faire... Honnêtement, Tyrell, il faut utiliser les yeux, il faut. Je peux pas vous aider plus. Tout est à votre disposition pour participer. Il y a ça qui est là, tac tac. Tu as les commandes dans le chat. Bon, alors, régulièrement, je vous mets aussi ça. Voilà, tiens, coucou. Vous avez les trois PC d'ailleurs qui sont là. Ils sont quand même pas molles. Il y a tout. Andariel est enchaîné au cœur de Gul'ran. Aucune entrave n'empêchera son aura maléfique de plonger ses terres dans la souffrance. Ça dépasse l'entendement. Au contraire, Elias a l'esprit clair pour une fois. Quand je l'ai connu, il était en quête d'une raison de vivre. Je n'ai pas su lui en donner une, alors il l'a trouvée en Lilith. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé devenir ce qu'il est. C'est le moment ou jamais d'arranger les choses, avant qu'elles ne s'aggravent. Oui, nous avons ce qu'il nous faut. L'invocation se déroulera au temple des primordiaux, au mont Sivo. Maintenant, cherchons une sortie. Connaissant Elias, il a dû en prévoir une. Au cas où son plan ne se déroulerait pas comme prévu. Derrière la bibliothèque, il aura au moins retenu une de mes leçons. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Hâtons-nous. Et trois moyens d'entrer dans le temple des primordiaux. Ouais. Ah, c'est sympa en tout cas, hein, le. Que du plaisir. Ça va, Natat ? Classique. Ah, c'est joie et bonheur cette région. Cette région, le chat, elle est, regardez ça, que du. Ah, bonjour madame. Enfin, il y a la moitié basse de la madame. Là, il manque des bouts, monsieur. Ah, c'est le plaisir. Hein. C'est quoi cette région déjà le nom ? Quête Barbu. Bah putain, ça donne envie. Hein. T'as envie d'y passer tes vacances là-bas, bordel. Délire. Charmant. Ah bah ouais, regarde.
T'as les morceaux, un peu de barbac. Ah, on est sur du dégueu dégueu, hein. C'est du pont dégueu. Du solide dégueu. Une midame, pas mal. Tu lui fais un truc ou pas, Speedy, Nat-Nat? C'est juste pour savoir, hein, en fait, est-ce que je... Ok, c'est gentil, merci. Ça presse pas spécialement, hein, c'est... je sais que t'es déjà saoulé avec ta mère. Hein. La triade a repris son ancien temple, situé quelque part dans ce paradis. Le souci, c'est qu'on ne va pas nous accueillir à bras ouverts. Elias menait des recherches sur les sanctuaires consacrés à Mephisto, Baal et Diablo. Seuls les êtres bénis peuvent ouvrir la voie. Oui, mais recevoir la bénédiction des démons primordiaux, c'est sacrément risqué. Si c'est la clé pour entrer dans le temple. Le sanctuaire de Baal est tout proche. Commençons par là. Je reviens dans le chat, j'arrive. Désolé, petit imprévu, IRL. Bonsoir Corpus. Bonjour Corpus, excuse-moi. Oui, il y a des gens qui prennent des points de chaîne là. Merci beaucoup Silver pour le 21e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. On est reparti. Donc, here we go again. J'ai un acte 3 à terminer. Les élus de la mer, je vais vous niquer vos races, d'accord? Ça vous va, ça vous va pas? Pareil. Je vous laisse pas le choix. Ok. Vraiment une bien belle région ici, hein, putain. Des gens charmants et tout, que le kiff, hein. Il pleut ? Ah bah, bien fait de changer, de rentrer les... Bon call ! Ah ouais, effectivement, putain. Vraiment pas, c'est vraiment pas aujourd'hui qu'il y aura le plongeon dans la piscine dans le Mingo, hein, putain. Il flotte. Ouais. Ça va être sympa de partir en vacances à Sanctuaire. Ah, le kiff, hein. Là, tu dis vraiment belle destination touristique. Une petite bombe sous la pluie. Baal, seigneur de la destruction. Son influence est à l'origine de toutes les guerres de notre histoire. Il ne se lasse jamais du conflit. Prononcez son vrai nom. Torbalos. Torbalos. Ah. Est-ce que ça va? What the fuck? Je vais bien. Plus que deux sanctuaires. Diablo, puis Mephisto. Tenez-vous. Ouais, bon, ça va aller, hein. On va tout péter, hein. NP. On va tout péter. Toujours. Bah, tu connais la réponse à cette question, hein. Généralement, c'est ta faim. Oui. 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 Je suis jamais en mode non, ça ira. C'est rare quand même. Plus te rare. Ah non, surtout pas. Je me suis vraiment. Alors ouvre là-bas. Alors juste pour que tu... Non mais...
Nat, tu te rends pas compte. Je me suis fait pliquer plus de 10 fois depuis de cette nuit. Je suis terrorisé. J'en peux plus, les moustiques. Faut pas trop la peur. Et quand il pleut, ils peuvent pas être là, en fait. Ouais, mais c'est pas la grosse pluie, là, si ? Ah, si, ouais, quand même, ok. Ouais, ok, d'accord, c'est la vraie pluie. Ah, il a un vrai nom, en fait. Le bruit de la pluie, ça va faire... Ah bah ils vont la sentir chez moi. Ah, je suis vraiment... Je les ai comptés sous la douche, j'étais à 12 piqûres de moustiques cette nuit. Ah, ils m'ont enculé cette nuit. Je pense pas qu'il y a un seul moustique... Parce que 12 fois, le truc à la fin, c'est une ballon de baudruche. Enfin, hein, c'est... Est-ce que je suis un bon... Ouais, ça arrivait un peu après que tu partes, pour le coup. Enfin, non, il y en avait un, non, il y en avait un quand t'étais là, c'est vrai. J'en ai chassé quand t'étais là. Salut, Salimis. Ouais, super bien. Ah, je... Ça, le prix, quoi. Ah, on peut assez quand j'étais sur un boss, en plus. Évidemment. Ils sentent les moustiques. Ça se passe très bien, le marathon. Ça se passe très très bien. À part les petits problèmes d'allergie, parce qu'il y a une bonne vague d'allergie dans le sud. Est-ce qu'il peut au moins voler après 12 piqûres, le truc? Très bonne question. Logiquement, s'il pleut, ça calme les allergies, effectivement. Donc croisons les doigts. Vive la pluie. Vive la pluie. Vive la pluie. Mais voilà, ouais, non, ça se passe bien. Là, donc j'ai commencé hier et je suis niveau 38. On est à la fin de l'acte 3, là. T'allumes pas. Marathon se passe bien, la régie se passe bien aussi. D'ailleurs, quand tu pourras, Pierre, tu peux me réactiver la régie. C'est chez toi, s'il te plaît. Comme vous pouvez voir, on a un joli petit setup de stream. Avec, donc, sachant qu'il manque encore une participante. À savoir Elibor qui sera au bout de la table en face de moi. À ma gauche, c'est Azelo, c'est tout là-bas, c'est Nat. Elle est punie, elle est toute seule. Elle a été vilaine. Et voilà. C'est bon, Pierre ? Ou pas encore ? Ah merde, Pierre ? Tu peux remettre ta régie, s'il te plaît ? Ah, c'est bon, on va voir. Et donc, pour ceux qui découvrent aussi, on a par exemple ceci. Enfin, après, peut-être qu'Azelo aussi la cut, non, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, j'ai ce genre de trio que je peux vous partager quand on fait des actions en fait à plusieurs pour que vous puissiez voir différents gameplays, Azelos voleur, Buffalo et druide mage, enfin druide élémentaire, moi en barbare, et voilà. C'est également le boulot de Lady Overlay. Pour exclamation, Lady. Tout ce qui est l'aspect graphique pur, c'est du Lady Overlay. Alors, j'ai eu un écran bleu sur hier. J'ai eu un crash, hein, pour le coup. J'ai dû changer un... Je sais pas à quoi c'était dû. Il faisait beaucoup de bruit avant. J'ai changé un petit peu les courbes dans le water cooling pour les rendre un chouïa plus agressives. Je l'entends maintenant, mais c'est vrai que les températures, par contre, sont très différentes. Hein. Attends. J'ai gagné plus de 10 degrés, hein, pour donner une idée, sûr, de moyenne. Et j'ai pas eu d'écran bleu.